assisté par ses conseils habituels, Maître Nicodème Mouka, avocat au barreau de Kinshasa Condé. Je parle avec Maître Ernest Monsin pour Mila, du barreau de Bangui. Conjointement avec Maître Colombe, avocat au barreau de Bangui. Conjointement avec Maître Mukendi Kassongo Joseph Patrick, du barreau de Puy. Oui, Mandoli. Je vais aller. Si vous ne comparez pas, de vous vanter. Reste un gerbet. Sur l'état de la procédure, le tribunal se déclare saisi sur remise contradictoire. Je note que le prévenu Mouyi Mandoole n'a pas comparé à l'ordre de la procédure. Je le procureur général. Merci, monsieur le président, pour la parole. Il plaît au tribunal de retenir le dépôt à Kinshasa. Le tribunal procédera par défaut à l'égard du prévenu Mouyi Mandoole. Oui. Excusez, monsieur le président. On n'entend rien du tout. Est-ce que la technique peut nous arranger le micro? La technique, s'il vous plaît. Oui, bien, c'est suspendu. La peine de Komoïn, Azala Kibasat. Moko na moko, ayebela maki. Devete mokambi ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azana linaka ya mosala pona kotonga République démocratique du Congo. Bobongisi bisika biike, botongi bisika biasika. Ko la pesa ka nzira, tozaka kuna na lobala la fikini. Et pas wapi maso mabandaki pona misala ya botongi. Bongo kati na botongi, le kambo litali kotonga manako babengi maison préfabriquée. Nous sommes en Bimaki. Mbeli kambo ezali wana. Sanzeleki, eloko yokote. Neon. Epe babite, esike to yeba misolo mia republiki yekolo. Manda kumatonga mapona bapu. Mwango. Mwango ezali kama motuna.
Alors, comme nous l'avons dit, le tribunal amorce l'instruction de la présente cause en y allant prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la transmettre. Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Ça va maintenant? Oui. Voilà. Oui, monsieur le bâtonnier. Micro. Allez-y. Maître Serge Lepig, avocat barreau de Kinshasa Gombe. Bon, je crois avec maître Christian Biachaumba, avocat barreau du Kwilu. Merci. Nous commençons par la première prévention. La charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Loakanyingini Vital. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus par l'article 21 du code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant. Personne énumérée ci-dessus, détournée de dénier des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre les achats. Avoir à Kinshasa vie de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo sans préjudice des dates certaines, mais entre le mois de mars 2019, 20 périodes non encore couvertes par le délai légal de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de l'agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République, détourner la somme de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samigo SRL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Comparer le prévenu Sami Jamal. Vous parlez toujours arabe. Non, je parlais arabe. Excusez-moi d'abord. Je vais vous dire vous, mais je ne vais pas. Je veux que tout le monde écoute aujourd'hui. Le 11, je suis revenu. J'ai pris beaucoup de médicaments parce qu'il y a les maladies du corona. Tu comprends? J'ai pris beaucoup de sang dans ma main. Mais je ne peux pas parler comme je suis embrouillé vraiment. Mais aujourd'hui, je suis bien. Je veux que d'abord adresser le président de la République, dès avec vous, avec lui. Je vais adresser tout le peuple congolais. Je vais adresser monsieur le magistrat, le procureur, et puis je vais adresser tout le monde.
d'abord. Voilà, maintenant. Je vais voler debout, mais je ne peux pas. Suivez la question du tribunal. Vous allez vous exprimer en français aujourd'hui ou en arabe toujours? Vous allez parler français ou en français? En français, monsieur, qui est mort. Je veux que tout le monde m'écoute. Voilà. Si, si le président avec que le grand ministre Sami Djaman ne trouve pas d'inconvénient de parler français à l'audience de ce jour. Non. Écoutez, quand je suis arrivé le 11, je suis embrouillé. On n'interrompt pas les tribunaux de cette façon. Mais aujourd'hui, je suis en paix en forme. Prévenu Sami Djaman, on n'interrompt pas les tribunaux de cette façon. Hein? Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Parce qu'il faut le faire de manière méthodique. Hein? Bon, vous répondez de façon précise aux questions précises qui vous sont posées par le tribunal. D'accord, monsieur le président. Voilà. Bon, vous m'autorisez à parler maintenant? Alors, suivez la question du tribunal. La somme de 148 dollars américains qui avait été remise à la société Samibou SARL. Je vais répondre. La société Samibou SARL, vous êtes parmi les actionnaires? Ce n'est pas 48 millions quelques, c'était 57 millions 500 dollars. 57 millions 500 dollars, oui monsieur. Vous avez reçu cette somme-là? J'ai reçu par tranche, oui. Par tranche? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez reçu cet argent? Comment il vous est parvenu? C'est la voie bancaire, excusez-moi. De main en main, c'était comment? Par virement bancaire entre Banque Centrale et Eurobank. Banque Centrale, Eurobank. Oui. Ok. Et qu'avez-vous fait de cet argent? Pardon? Qu'avez-vous fait de cet argent? Bon. Nous avons le comptable, tout déjà préparé, toutes les dépenses avec mon avocat. Bon. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vais parler. Oui. Qu'en avez-vous fait? Vous m'autorisez à parler, s'il vous plaît? Oui. Bon. Maintenant, je ne vais pas vous le débout. Les 7 projets, j'ai adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai adressé à vous, j'ai adressé au peuple congolais. Le 11, j'ai eu beaucoup d'imminence dans les téléphones, dans les Internet, etc., etc. J'ai pris les 7 projets, 11, 10, 2017. Parce que dit les ministres, ils ont retiré, il y a les gens, ils ont retiré. D'abord, pour une affaire, 26 750 000 dollars. Excusez-moi, je veux que tout le monde m'écoute. Il y a 70 millions de personnes qui vont écouter, monsieur le président, avec grand respect. Je suis innocent. Je suis dans ce pays 52 ans. Je suis ex-consul honoraire Zaïre-Liban. Si moi-même, j'ai réflexionné le visage de Zaïre, jamais il n'y a un problème. Avec grand respect. Monsieur Sami Djaman, est-ce que vous avez eu cet argent et quand en avez-vous fait? Monsieur le Président, je vais expliquer A jusqu'à Y, vous pouvez autoriser, s'il vous plaît, j'enlève dans mon cœur. Parce que depuis 3 mois, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Si je vole les montants, je ne peux pas retourner encore en Congo. J'ai eu encore deuxième projet pour 58 000 dollars. 58 millions de dollars par ordre du président de la République. Mais il faut que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Je vais, ou bien aujourd'hui... Cela veut dire... Quand j'ai touché l'argent, bien sûr, j'ai fait les commandes. Il y a tous les commandes. Mais il y a quelques gens qui disent qu'ils ne connaissent pas les 7 problèmes. Ex, le premier ministre Chabani, il a signé le 18 2019 pour les 57 millions. Maître Chabani, il est encore le 12 janvier 2018 pour 57 millions. Elle est là. Et puis, le ministre Takwira, d'abord 26 950 000, après il a fait 57 millions, il a fait 50 500 000. Ils sont tous là. Ça c'est un. Deux, les marchandises, ça a commencé à arriver. On a vendu les marchandises SIF. Dar es Salaam, SIF, Angola. SIF, Matadibor. Un, dès qu'ils ont versé l'argent, ils ont commencé à expédier les marchandises. J'ai pris Maluku, j'ai pris
Kananga, j'ai pris Kivu, j'ai pris Bakongo, j'ai pris Bujmai. D'abord, les marchandises, ils ont resté à la porte Matadi avec grand respect pendant 4 mois pour trouver un terrain. Il n'y en a pas trouvé un terrain. Parce que les gens des présidences, ils ont monté Maluku, ils ne veulent pas voler Maluku parce qu'il y a les montagnes à gauche, à droite. Moi-même, j'ai trouvé après l'aéroport, Dieu est témoin. Après l'aéroport, il y a un camp pour les militaires. Pour un bas de trouver un terrain, il n'y en a pas moyen. Les marchandises, ça va commencer à arriver encore. Dar es Salaam, ça va avancer en Angola. J'ai écrit une lettre inquiétude depuis 4-5 mois. Faites attention, les marchandises, elles vont vendre dans les marchés publics. Sortis les marchandises, elles ont resté pendant 4 mois dans le Congo pour sortir. Bon, après, j'ai eu l'ordre, vous voyez que tu veux déposer Maluku, on est déjà déposé comme Tchatchi. 180 conteneurs, tu comprends, à peu près 300 quelques maisons. Maintenant, il y a les documents, tout avec moi. On a commencé à lever, on a commencé ma tchatche. Avant mon arrestation, j'ai fait 180 maisons, 180 villas. Villa, ça coûte, excellence, avec grand respect, regardez les villas. $40,000, $45,000, les prix $40,000. Aujourd'hui, moi, une ville, ça coûte $250,000. Je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis depuis 3 mois ici. J'ai les droits de l'homme dans ce pays. Surtout au Congo, il y a les droits de l'homme. Mais les gens parlaient à gauche, à droite pour gâter les marchandises, pour gâter ce projet pour le président de la République. Sauf Jésus-Christ, il va gâter ce marché. Il y a les gens jalousie contre moi. Excusez-moi, voilà. Je vous en prie. Voilà les lettres inquiétudes d'abord. Elle est là, les lettres. Attention, elles vont vendre les marchandises dans les marchés publics. Personne ne va m'écouter. Voilà les lettres, cherchez-moi les terrains, personne ne m'écoute. Voilà les lettres, excusez-moi, la maison. Monsieur, avec grand respect, le directeur cabinet, avec les cabinets. Le conseil spécial, le président de la République. Immédiatement, j'ai commencé à déposer. Tu veux installer une villa avec grand respect, il faut 12 mois ou bien 10 mois. Moi, j'ai installé villa 180 jours, 180 villas par 6 mois. Si tu installes une villa 12 mois, monsieur le président, je vous en prie, à cause de la bonne idée, laissez-moi vider dans mon cœur. Parce que depuis 3 mois, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté. Si je vole les montants, je ne peux pas retourner au Congo. Si je vole les montants, je ne peux pas donner des liens avec le président de la République. Je vais le président de la République et m'écouter, je suis innocent. Ah, j'ai 90 ans, je ne peux pas rester à la prison. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de jaloux pour gâter cette marché pour le président de la République. Le président de la République, il est parlé dans le Parlement, tu comprends, pas les diables, il veut agiter encore 3000 maisons, ça c'est pour Ousmane. 1000 pour les polices, 2000 pour les militaires. J'ai tout le document. Il faut m'écouter. Faites ce que vous voulez avec moi. Pour maintenant. Les marchandises, c'est les exonéraires. Il y a tout. Malgré agré, il y a tout. J'ai tout le document avec moi. Nous avons 649 conteneurs. Je veux que les peuples, celui qui m'a insulté, il va m'écouter. 180 000 conteneurs ont descendu. Ça, c'est comme Tchatchi, allez voir. Et puis le restant on a écrit pour le ministre des Finances pour payer, sortir, il n'y en a pas moyen, avec grand respect pour le ministre des Finances. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis innocent, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et puis tout le monde il est contre moi. Pourquoi? Je ne suis pas la première personne, je fais le commerce. Je suis commerçant, j'ai commerce général. Vraiment, je suis innocent dans ce pays. Le honoraire, on ne peut pas vendre le honoraire. Mais tout le monde fait le commerce, tout le monde achète par exemple les immeubles. Voilà. Il n'y a aucune personne, ce soit que Libanais avec de grand respect, ou bien Congolais, ou bien Européen, il y a les 7 aidés pour les préfabriquer. J'ai un monopole pour 5 ans. Ailleurs, Angola, Brazzaville, RDC et puis Libreville, ils m'appellent directement, venez, faites comme vous avez fait à Kamtchatchi, moi j'ai refusé. J'ai dit, il faut que je vais terminer mon pays d'abord, après. Je suis dans 50 ans dans ce pays.
Je suis consul honoraire Zahir Liban. Je suis voilà. Avec grand respect. Voilà les propos du tribunal. Suivi. Mais la question du tribunal est celle-ci. Je vous en prie. Donc vous confirmez avoir reçu la totalité de cette somme-là. Vous avez reçu la totalité de cette somme. Vous avez reçu tout l'argent. 7 millions, j'ai touché. Vous avez touché. Tout. Encore, elle me paye encore 2 137 500 pour les Osmal. Osmal, elle me payait le 9e mois. J'ai amené les 31 conteneurs 93 depuis 4-5 mois au port. Deuxième question. Pardon. Deuxième question. Qui devait se charger du dédouanement de ces marchandises? Les marchandises, moi j'ai vendu ici, parce qu'il y a les exonéreurs. Les anciens gouvernements, ils me donnaient les 7 projets, tu comprends. Après, ils ont prolongé ta cuira pour 57 500. Quant au dédouanement, qui devait s'en charger? Dédouaner les conteneurs. Mais le gouvernement, bien sûr, va donner le conteneur. C'est pas moi. Nous avons dit, voilà, c'est exonéré. Elle est là. Il y a les exonérés. C'est exonéré, n'est-ce pas? Exonéré, il y en a. Donc, c'est vous qui ameniez cette lettre-là d'exonération au service des douanes qui vous laissez. Cette exonération. Il y a quelqu'un dans les présidences, ils ont commencé toujours saisi entre Dar es Salaam et Angola. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il y en a 10 conteneurs pour Camp Tchatchi, monsieur. Selon. C'est chargé du dédouanement de ces marchandises. Le gouvernement. Mais le gouvernement, monsieur le président. C'est du gouvernement. Vous allez vous acheter au nom du gouvernement. Et quand ça arrive à la douane. Oui, c'est le gouvernement qui paye les douanes parce que nous avons l'exonération. Elle est là. Elle est là. Les bonnes commandes, elle est là. Et puis, les camps tchatché, elle est là. J'ai à tout le document, monsieur le président. Avec grand respect. Je suis innocent ici. Je suis innocent, pitié dans mon âge, 90 ans. Restez dans les limites des questions qui nous ont posées. Qui nous sont posées. Oui, donc c'est le gouvernement ou c'est vous-même qui vous présentez avec la lettre d'exonération pour dédouaner les marchandises? Le gouvernement, monsieur le président, j'ai tous les documents avec moi. Dans les cas ici, qui le faisait? Pardon? Dans les cas de 1500 maisons. Mais toujours le gouvernement, mais c'est l'exonération, c'est quoi, monsieur le président, avec grand. Il y a exonération, n'est-ce pas? Oui. Mais qui est entré en contact avec les services de la douane? Mais toujours le gouvernement, lui, à Boujba et à Kananga, toujours le gouvernement, le transitaire, bien sûr, il va sortir les marchandises, monsieur le président. Mais le gouvernement, moi j'ai vendu les marchandises SIF, Angola, SIF, Matadi, SIF, Dar es Salaam, Dieu témoin. Il y a les exonérations ici, il y a les inquiétudes ici, il y a pour les terrains aussi, il y a les inquiétudes aussi, il est là. Il n'a pas trouvé un terrain. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dites-moi. Comparer le prévenu Mouy Mandoli. Ici. Une question du ministère. Je venais déjà. Mouima. Monsieur le Président, merci pour la parole. J'ai quelques questions à faire poser au prévenu Jamal. S'il peut nous suivre. Pour bien recadrer les choses, monsieur le Président, est-ce qu'il peut nous dire des. À quelle date il a reçu la somme de 57 millions? Ça fait combien de temps pour que vous puissiez recevoir la totalité de cette somme de 57 millions de dollars? Vraiment, il me payait, monsieur le président Baratran, je ne me rappelle pas. Mais dès que j'ai reçu les premières commandes, l'argent, immédiatement, j'ai fait le commande. Ça fait à peu près une année, 6 mois ou... Pardon? Ça fait à peu près une année, 6 mois. Il n'y en a pas une année. Si j'ai dit une année, je serai menteur. Il n'y en a pas une année. C'est moins d'une je année. Je ne me rappelle pas, tu sais mon âge. Il faut demander qu'est-ce que j'ai mangé hier, j'ai oublié. C'est même pas si je suis venu en brie. Mais il ne paye pas la tranche. Merci beaucoup.
Il ne se rappelle pas de quelle date à quelle date il a reçu la somme de 57 millions. Est-ce qu'il a un contrat qu'il a signé avec l'État congolais pour l'achat et la construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez un contrat signé avec l'État congolais? Très bien. Très bien, Monsieur le Président. Avant, il y en a 26 750 000, excusez-moi, mais l'avril 2019, le ministre Takwira, je n'ai pas pris les sept projets avec le nouveau gouvernement, grand respect pour le nouveau gouvernement. J'ai pris les projets depuis 2017, voilà les papiers. Je suis innocent dans ce pays, 3 mois, je suis dans la prison. Vous avez reçu cet argent pendant combien de temps? Voilà. Montrez. 57 millions. En l'espace de combien de temps? Takwira. Voilà. Maître, vous pouvez l'aider? Souvent, les 57 millions, le nouveau gouvernement, ils suivent le contrat. Elle est là? Avril 2019. Le premier contrat, M. le Président, avec... 2018. Voilà, 2018. Avril 2019. Montrez. Il y a les contrats. Montrez, c'est pas la bouche, il parle. Oui, déposez. Monsieur le Président, est-ce que le contrat qu'il vous présente, là, il peut nous lire la dernière disposition de ce contrat? Maître, venez récupérer le contrat. Monsieur, vous nous lire la dernière disposition. Je vais parler, monsieur le Président. Faites-nous attendre. Lisez-nous la dernière disposition de ce point. Monsieur. Monsieur, si, Monsieur le Président, peut nous préciser dans l'avenant ou dans les contrats? J'ai posé des questions. La première question, c'était de savoir de quelle date à quelle date qu'il a reçu la totalité de 57 millions. Et la deuxième, c'était de savoir s'il avait un contrat à ce marché-là. La question, c'est lui, puisqu'il vient de vous produire un contrat qu'il a signé en 2018, prétend que c'est sur base de ce contrat-là. S'il peut d'abord nous lire la dernière disposition de ce contrat, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce contrat? S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous n'entendons pas toutes les questions. La dernière disposition de ce contrat dit quoi? La dernière disposition du contrat parle de la résiliation du plein droit sans indemnité. L'avant-dernière. La disposition qui parle des taxes. Il s'agit de l'avenant au contrat ou du contrat proprement dit? Du contrat originaire d'abord. Maître, lisez l'article 6. L'article 6 des obligations fiscales et douanières. Le titulaire du marché est entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et timbres d'enregistrement, patentes et taxes dus au titre du présent marché. Oui. Est-ce qu'il a suivi le prévenu Jamal? Puisqu'on a lié à son intention cette disposition-là. Puisque j'aimerais qu'il puisse nous préciser là-dessus. Quand on lui pose la question qui avait la charge de dédouaner la marchandise, il vous présente tantôt des lettres d'exonération. Mais le contrat sur base duquel si, il pressent agir. S'il vous plaît, monsieur le PG, si vous pouvez enlever le masque parce qu'on n'entend rien. Ça, vous n'entendez pas? Mais nous nous attendons ici. Comment vous n'entendez pas? Bon, le tribunal entend, mais nous, à qui il adresse la question, nous n'entendons pas. Oui, je disais, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur le Président, que le contrat que lui-même brandit à la disposition qu'on vient de nous lire là tout à l'heure, c'est le prévenu qui avait la charge
de payer tous les frais relatifs à l'importation. J'aimerais que cela soit noté, c'est très important. Vous avez suivi? Oui, oui, monsieur le Premier ministre. Encore une préoccupation, monsieur. Oui, encore une préoccupation. Là, c'est un contrat de 26 millions. Nous voulons savoir en vertu de quel contrat il a reçu 57 millions. Ça, c'est l'avenant. Elle est là. C'est l'avenant. Elle est là. Et puis, avec grand respect, monsieur le procureur, une maison comme ça, 40 000 dollars, c'était 45 000, j'ai payé la douane 40 000 dollars. Et si, moyenne 200 000, tu ne peux pas trouver une maison. Voilà, excellence. Prenez les photos. Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. Merci, j'ai payé merci. 5 000 pour le conteneur, reste 40 000 dollars. Merci. Monsieur le Président, par rapport à l'avenant dont tu parles. Non, ça c'est plus important aussi. Cet avenant-là n'a jamais été signé, n'a jamais été conclu conformément aux dispositions de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il y a les marchés publics. Le directeur chargé du contrôle des marchés publics. Il y a les marchés publics. Qui a été auditionné, qui a été auditionné au parquet. Au moment opportun. Comme ça, dans une audience. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'inviter ici pour qu'il vienne vous confirmer qu'il n'a jamais eu un avenant par rapport au contrat. Il a donné les raisons par rapport à la loi. Il parle d'un contrat de 26 millions, un avenant qui amène le contrat de 26 millions à 57 millions. Presque les 100% du montant initial, alors que la loi sur les marchés publics ne permet pas ce qu'on modifie un contrat au-delà de 15% du montant initial. Alors, vous allez vous rendre compte que l'avenant dont tu parles là, voilà les marchés. C'est un avenant irrégulier. Et celui qui est chargé d'autoriser la signature d'un avenant ne l'a jamais autorisé. Il y a des correspondances au dossier. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'appeler et il viendra vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Merci. Merci. Oui, oui, votre honneur. Nous sommes un peu perdus parce que le ministère public affirme qu'il n'y a pas un contrat. Or, nous avons un contrat. Le contrat est là. Et par rapport aux exonérations, dirais-je, de frais, de la taxe et tout ça, la lettre du gouvernement, dirais-je, de la présidence. La cote, bon, on ne sait pas se retrouver puisqu'on a photocopié. Mais la lettre qui exonère, monsieur, je dirais, la société Samibo, par rapport au dédouanement, est là. Je peux lire cette correspondance. Non, non. Dites c'est moi l'intention du tribunal. Comment procédiez-vous matériellement quant aux opérations de dédouanement? Matériellement. C'est vous-même, société Samibo, qui entriez en contact avec la douane, abrandissant la lettre d'exonération pour vous faire remettre les marchandises, ou c'est l'État, à travers la présidente de la République, qui le faisait? C'est l'État qui était chargé de faire entrer le conteneur. Nous, on achète, on fait arriver le conteneur ici, au port, et c'est l'État seul qui va s'en charger pour les douaniers ou nous faire parvenir au lieu de l'érection de maison. Mais nous avons tous les documents. Votre honneur, merci pour la parole. En fait, il s'agit d'un contrat entre deux parties. Et chacune des parties a ses obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Déjà, le ministère public, en foulant au pied cet avenant intervenant entre parties, signé par un ministre en fonction à l'époque, nous nous demandons si nous avons le même dossier que nous utilisons ici. Et de deux, votre honneur, dans l'exécution de ce contrat, les marchandises étaient vendues sous CIF. Ce qui revient à dire que c'était sous douane. Et il y a parmi le prévenu, un prévenu qui était notamment chargé de l'import-export qui travaillait. Il y a cette lettre dont l'objet est l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation. C'est une lettre venant de la présidence, votre honneur. Donc de la République, du président de la République qui fait que ça modifie même ou ça donne droit à M. Samibo, ça renforce sa position en ce qu'ils ont vendu sous CIV. Donc, donc les choses sont assez claires pour ne pas être interprétées autrement. J'ai dit.
question. Allez-y. Oui, maître, s'il vous plaît, revenons. Voilà, un petit. Oui, allez. Pour le terrain aussi. Ça va, ça va pas, hein. Trop long, long. Le tribunal voudrait être éclairé sur la question. Dites-nous, la lettre là à laquelle vous faites allusion date de quand? Elle est signée par quelle autorité? Vous parlez de la présidence, c'est vague. Merci, monsieur le président. Cette lettre date de mai 2019 et c'est signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Quelle date? Bon, en tout cas, on écrit 10-43, sauf erreur. Hein, ça fait partie de mai 2019. Vous pouvez nous en donner la teneur. Mai 2019. La teneur de cette lettre, lisez. Il y a enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation de 851 containers de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons commandes du gouvernement. Donc, c'est une demande. Lisez. Lisez. C'est pas ça la teneur. Monsieur. La lettre est adressée à qui? Et dit la quoi? La lettre est adressée. Super national. À leur excellence. Monsieur le ministre des Finances. Le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur. Vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. Enlèvement d'urgence et exonération de droits et taxes à l'importation de 851 containers de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons commandées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge de vous informer que dans le cadre des actions urgentes des 100 jours, 1500 maisons préfabriquées ont été commandées par le gouvernement auprès de la société Samibo, dont 300 pour Maluku à Kinshasa, 300 pour Matadi, Congo central, 300 pour Bukavu, Sud Kivu, 300 pour Mbujimayi, Kasai Oriental et 300 pour Kananga, Kasai Central. À cet effet, le chef de l'État m'a instruit de solliciter auprès de vous, chacun en ce qui vous concerne, l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes de la Direction générale des douanes et accises de l'Office congolais de contrôle et de la Société commerciale de transport et de postes. Les 851 containers de 40 pieds chacun contenant les dites maisons de logements sociaux. Pour votre gouverneur, ces 851 containers sont répartis dans les destinations suivantes. À Kinshasa, 183. Au Congo central, 667, à Bukavu, 167, à Mbujimayi, 167 et à Kananga, 167. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération. Vital Kamere, Loua Nyingi Nyingi, directeur de cabinet. Voilà. Attendez. On paraît le prévenu Ndole Moïma. Oui. Le prévenu Moïma Ndole. Vas-y. C'est Maître Bokolombe. Monsieur le Président, c'est par rapport à la préoccupation du ministère public sur l'exonération. Ici, nous avons la lettre du ministre des Finances du 24 mai 2019. Je crois que nous avons le même pièce avec le ministère public et le tribunal. La correspondance concerne
l'exonération des droits et taxes à l'importation des maisons préfabriquées. Monsieur le directeur général, dans le cadre du volet du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son directeur du cabinet m'informe par sa lettre numéro 1043-05-2019 du 15 mai 2019 de la commande passée par le gouvernement en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées devant servir de logements. Les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 conteneur de 40 pieds, consigné au nom de la société Samibo, et seront déployées dans les provinces de Kinshasa, de Congo central, du Kivu, de Kasaï oriental et de Kasaï central. Voilà ce qui est beaucoup plus important. À cet effet, sous réserve des précautions d'usage et au regard de leur destination, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement en exonération des droits et taxes à l'importation et à titre dérogatoire. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération. C'est la lettre du ministre des Finances. Merci. C'est la cote 8. Merci. Comparez les prévenus Mouima Ndoole. Mouima. Oui. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. On a fait passer votre temps ici pour vous faire lire la lettre d'exonération. Comme pour dire que le prévenu Jamal n'avait pas la charge de payer les frais d'importation. Il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'État congolais, où il est dit dans ce contrat qu'il a brandi que c'est lui qui avait la charge. Même si par après, le gouvernement a fait une lettre pour demander l'exonération, c'était toujours en sa faveur. Cela ne signifiait pas que, puisque l'État a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise et que cela change le contrat qu'il prétend avoir signé avec le gouvernement. Ça, c'est très important. C'est très important puisque lorsque nous allons arriver au prévenu Mouima, vous allez comprendre que tout ce que le prévenu a fait là n'avait pas de raison d'être. Puisque déjà le contrat chargeait M. Jamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation comme les impôts à l'intérieur. Malgré tout cela, l'État a voulu l'aider, en faisant une lettre d'exonération. Mais malgré tout cela, il y a eu quand même des fonds qui sont sortis. Lorsque vous allez poser des questions, vous allez vous rendre compte que ces fonds sont sortis sans raison. Merci. Merci. Une question pour venir, Mouima. Oui, maître. Merci, monsieur le président. Monsieur le tribunal, monsieur le procureur général, d'abord, si vous me permettez, une série de questions à faire poser au prévenu Jamal. Mais pour l'heure, nous allons lui poser, en rapport avec les questions que votre tribunal a posées, quelques-unes, si vous le permettez. Vous avez vu que 4 avocats sont passés au micro pour essayer d'expliquer l'existence d'un contrat. C'est la cote 131 à 134 à 136 de votre dossier et un document non daté que le prévenu Jamal appelle avenant, qui a été recalé par le service compétent. Document non signé, c'est la cote 182 à 184 du dossier du tribunal. Parce que votre tribunal lui pose la question que le contrat de 2018, dont les prévenus Jamal se targuent, prévoit 26 millions de dollars américains. Et votre tribunal veut comprendre comment on est passé de 26 millions à 57 millions, c'est-à-dire 600 maisons sur les 900 initialement prévues. 900 maisons sont à 26 millions,
et 1500 maisons, c'est-à-dire 600 maisons de plus ajoutées, sont à 57 millions. Il vous répond, j'ai eu un avenant. La question, Monsieur le Président, que la partie civile voudrait poser à Monsieur Jamal. J'ai sous les yeux le code 241 à 249 de votre dossier qui indique que du 15 mars 2019 au 18 mai 2019, 57 millions de dollars américains ont été virés de la Banque centrale vers Samibo. Est-ce qu'il confirme, parce que vous lui avez posé la question de savoir à quel moment cet argent il l'a obtenu? Et les pièces que nous avons, ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibo. Et donc, entre le 15 mai, que dis-je, le 18 mars, au 18 mai, 57 millions ont été envoyés à Samibo. Est-ce qu'il peut confirmer qu'effectivement, les pièces que j'ai déposé au tribunal, que je vais récupérer bientôt, confirme effectivement ce que je dis. Oui, revenu Jamal, vous avez suivi. Donc du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Pardon, vous les confirmez? J'étais confirmé 100%. 100%. Voilà. Il les confirme. Merci, Monsieur le Président. La deuxième petite question. Le fameux contrat dont il se vante a une disposition sur la domiciliation bancaire. Intitulé du compte Samibo Congo SARL, numéro du compte, il est repris, le SWIFT ECOCCDKI, Banque de paiement EcoBank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions de dollars sont entrés dans le compte repris sur le fameux contrat dont M. Jamal se targue? Est-ce que les 57 millions sont entrés dans vos comptes logés au niveau de EcoBank? EcoBank, oui. Je vais reparler. EcoBank d'abord, elle est mise dans le journal, ils ont mis à mon compte 37 millions, ça ne concerne pas Samibo. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars EcoBank, contacté EcoBank. Avant, je travaille avec EcoBank, tu me comprends, mais après, j'ai changé mon aidé, j'ai transféré, au lieu que tu vas demander EcoBank, au lieu que EcoBank prend l'argent, moi, j'ai déjà transféré à la Robank parce que je travaille avec Robank depuis longtemps. Tu vas renseigner même EcoBank. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Aucun rond. Ils m'ont accusé 37 millions encore. Ils ont contacté Robank, ils ont trouvé dans mon compte 680 dollars. Les gens vont parler si qu'ils veulent. Son parole dans les bancs, avec grand respect pour les gens, celui contre moi. Mais la réalité, ça va sortir aujourd'hui. Merci. Vous avez suivi. Le prévenu répond comme il peut, Monsieur le Président. Nous avons noté. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Robank? Et au moment où l'argent arrive à l'arrêt aux banques, quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était, quand on a versé l'argent à l'arrêt aux banques, oui. Quelle était la situation du compte Samibo? La situation de mon frère, le comptable, a déjà fait tous les paiements, avec grand respect, tous les paiements avec mon avocat, les preuves des paiements. Maintenant, reste encore 8 500 000, ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois, je suis à la prison, ils ont saisi encore l'argent dans les banques. Qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la Robank au moment où cet argent vous était... Restez 8 500 000, ils ont saisi.
Monsieur le Président, il dit que 8 millions sont restés sur le solde après les opérations et les maniements du compte. Mais avant que la Banque centrale, parce que la Banque centrale donne ordre à l'arrêt aux banques d'envoyer les fonds au compte Ecobank de Samibo. Et vous explique ce qu'il vous a expliqué, nous allons noter, nous n'allons pas revenir maintenant. La question que je voudrais faire poser à M. Jamal, au moment où les fonds quittent la Banque centrale à destination de l'Ecobank via l'arrêt aux banques, quelle est la situation du compte Samibo à l'arrêt aux banques? Parce que nous avons les écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quelle est sa situation de compte et le montant que Samibo détient à l'arrêt aux banques au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte-là pour passer? Parce que sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale n'est pas logé dans le compte Samibo au niveau de l'arrêt aux banques. La Réobank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent vers Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé par la Banque centrale et qui arrive à la Réobank s'arrête à la Réobank, qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas à Ecobank, mais dans le compte de Samibo ouvert auprès de la Réobank. Alors la question, est-ce que M. Samal, au moment où le virement est fait, le SWIFT arrive, a-t-il un compte à l'arrêt aux banques? S'il a un compte, est-ce que ce compte-là est ouvert au moment où l'opération se fait? Et si le compte est ouvert, il a quel montant avant d'obtenir les 14 millions qui ont été envoyés et ensuite les autres millions? Vous avez suivi, monsieur Jamal? Oui, monsieur. D'abord, c'est soit qu'il y ait un dollar avant ou bien un milliard de dollars, ça me concerne. Et puis, ici, vous êtes en audience publique. Pardon? Vous êtes en audience publique. Avec il n'y a plus de questions tabou. Excusez-moi. Voilà. D'abord, ça, c'est mon compte. Il faut me demander hier qu'est-ce qui t'est mangé. J'ai oublié. Il est en train d'enlever le corps dans les pompes. Lors de l'argent, ils sont rentrés. Moi, je suis libre. Je vais travailler n'importe laquelle banque. Moi, avec ECO, tu comprends, ECO, si tu veux prendre 10 000 $, 15 000 $, ça prend peut-être une semaine. Moi, j'ai écrit une lettre, envoyé l'argent où je vais faire les rapides bancs parce que c'est pour un projet 100 jours. Je ne peux pas attendre 10 ans, 3 ans pour voir me payer l'argent à la ECO. Oui, mais ces comptes-là avaient quoi? Je ne me rappelle pas, mon frère. Tu me parlais depuis 10 ans, je ne me rappelle pas, monsieur le président, combien, mais je travaille avec Robin. Si tu veux demander, aller là-bas. Je travaille depuis 10 ans avec leur banque. Expliquez. Bon, ça me concerne. Oui, maître, vous voulez compléter. Voilà. Restez là. Monsieur le président, pour la parole. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile. La République démocratique du Congo. D'abord, pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement un avenant d'avril 2019. Et cet avenant a été signé par l'autorité contractante qui est M. Bitakura Biona Ai Justin. Ça, c'est une précision. Je viens par rapport au dépassement du montant. 26 millions, 57 millions. Eh bien, monsieur le président, je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui est maintenant ici parti au procès. Et le premier contrat, le document qui constituait les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de notification d'attribution, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques, le plan et le dessin et les factures. Tout ça a été débattu dans une commission. Par les gens de la République,
La République était bel et bien représentée par le ministre, par le ministère du développement rural. Et c'est maintenant que la République vient pour rechercher le contrat, alors qu'on est de la signature du contrat. C'est la République, l'État congolais, qui était l'autre partie, qui était le co-contractant. Mais non. Non, monsieur le président. Non, ça ne te justifie pas. Non, monsieur le président. Oui, on vous a suivi. Je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? C'est très important, nous sommes de la défense. Nous avons besoin d'un éclaircissement. Justement, c'est un éclaircissement de taille. Comment c'est parti de la Banque centrale, voilà. La Rebank, au lieu de transiter par EcoBank, mais ça plonge dans les comptes de M. Sami Jamal. Exact. À la Rebank, contrairement à la convention avec l'État. Exact, monsieur le président. Vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion. Et nous, comme avocats de la défense, on a cette obligation de vous libérer de cette confusion. La personne ou l'autorité qui a versé, par voie de transfert évidemment, l'argent de la Banque centrale à la Rebank, la personne qui a décidé de ce virement, c'est l'État congolais. Il était où en ce moment-là pour vérifier si le transfert de fonds de la Banque centrale à la Rebank était valable par rapport au montant que le banque disposait. C'est pas maintenant qu'on doit venir nous faire de l'inspection. Là, vous êtes en train de contredire votre client. Non. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Non, mais monsieur le président. Les longues attentes, c'est ainsi qu'il a demandé que cet argent soit logé à la Rebank. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. Rapidement je ne le contredis pas. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il n'est pas tenu. Il venait de le dire tout à l'heure. C'est un commerçant. C'est ce qu'il a dit. Peut-être que le tribunal n'a pas tiré trop attention. Non, on a tiré attention. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il est libre d'avoir un montant X, Y dans son compte. Il ne me contredit pas. Il est là. S'il me contredit, c'est à lui de me le dire. Il peut avoir un dollar. Il peut avoir 1000 dollars. Ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment-là, en 2 ans, il y avait combien dans votre... Est-ce que c'était la condition pour transférer l'argent de la Banque centrale à la Rebank? Ce sont des préoccupations qui sont soulevées par les partis. Qui sont du moins sans importance. Merci beaucoup. À notre avis. Vous pouvez gagner votre place. Merci beaucoup. Comparez le convenu. Oui. Que le confrère se calme parce que lui-même a posé des actes et nous en parlerons. Donc il aura le temps de parler sur les actes que lui a posés. La question que je voudrais poser, monsieur le président, au prévenu. Vous avez, monsieur le président, sous les yeux, parce que nous sommes malvoyants et qu'un avocat de la défense lui voit bien, si le prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé, parce que probablement que nous avons mal lu ou que nous ne voyons pas bien. La deuxième sous-question, et que nous ne nous détournons pas, monsieur le président, permettez. L'avocat qui vient de prendre la parole dit pour le compte de son client que cet avenant serait d'avril. J'ai regardé, je n'ai pas vu de date. Mais prenons le mois d'avril, après qu'il ait répondu à la première question sur la date. Si cet avenant est d'avril et que cet avenant justifie la sortie du montant de 57 millions de dollars américains, peut-il, lui, le prévenu Jamal, expliquer devant votre tribunal comment a-t-il eu les paiements le 18 mars, selon les documents que je vous ai produits ici, alors qu'au moment où ce paiement se fait, il n'a même pas l'avenant qui lui permet, si jamais vous validez cet avenant, d'obtenir le paiement de 57 millions. Comparez le prévenu Jamal. Comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées avant même que l'avenant ne soit signé? Il faut répondre par vraiment. Vous étiez payé le 18 mars. Oui. Alors que l'avenant ici
qui vous donnait droit à ce paiement n'était pas encore signé. C'est le prévenu qui est responsable. Pas l'avocat, c'est pas l'avocat qui a eu l'argent. Prévenu Jamal. Oui, monsieur le président. Est-ce qu'il y a eu un avenant entre vous et l'État congolais? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat? Maître, ça ne se passe jamais comme ça. Pardon, mon frère. Jamais. J'entends demander oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat entre vous et l'État? Il y a les avenants, il y en a tous ici. Oui. Il y a tous les avenants, ils sont là. Avec Takuira, avec moi. Ils sont là, monsieur le président. Oui, mais cet avenant n'est pas encore signé. Pardon? Il n'était pas signé alors que vous avez perçu l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Comment expliquer ça? Il y a les contrats. Regardez. Comment expliquer que vous puissiez percevoir l'argent sans que l'avenant ne soit signé? Attendez, elle va répondre. Je ne comprends pas vraiment. Il faut répondre. Non, non, qu'il lui dise ce qu'il en sait d'abord. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Non, vous n'allez pas répondre à sa place. Ça, ce sont des faits que lui-même a vécu, auxquels il a participé. Et en premier lieu, c'est lui qui doit d'abord répondre. Vous viendrez peut-être avec des éclaircissements sur l'un ou l'autre point. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. C'est quoi? Prévenu Jamal. Oui, monsieur le président. Vous avez une réponse pour le tribunal? Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais l'avocat va parler, tu ne veux pas. Non, non. Je ne comprends pas ce que tu n'entends pas vraiment. Il faut pas autoriser, monsieur le président, avec grand respect, il ne faut pas parler à ma place. Parce qu'il y a des questions vraiment. C'est vous qui répondez d'abord et ils viendront après. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai réussi, monsieur le président, j'ai réussi, je te confirme, j'ai réussi. Mais lui, il va répondre à ma place. S'il y a d'autres questions, je ne comprends pas. Avec grand respect. Donc vous avez réussi, mais l'avenant n'est pas signé. Quel avenant? Vous avez réussi de fond sans que l'avenant ne soit signé. Il y a les avenants, il y a les avenants avec nous avant, ils sont là. Monsieur le Président, c'est pour éclaircir. Nous avons ici le contrat, le premier contrat d'avril 2018. L'intitulé, c'est le ministère du Développement Rural. Dans l'avenant d'avril 2019, l'intitulé, c'est le ministère du Développement Rural. Ça veut dire, par voie de conséquence, c'est l'État congolais. On admet par hypothèse. Et cet avenant que vous avez là, que, il est signé. Justement, on admet par hypothèse que les deux contrats ne soient pas signés, alors que ça venait de l'État congolais. Ça venait de l'État congolais. Et il a perçu des fonds pour ça. Non, mais c'est signé. Ces avenants sont signés, mais si ces avenants, le contrat est signé... Est-ce que c'est le même que celui que nous avons ici? On se pose la question. Monsieur le Président, parce que l'avocat parle, peut-il dire à votre tribunal c'est de quelle date? Il parle d'avril 2019, c'est quelle date? Vous allez nous permettre d'entrer en contact avec le document que le tribunal possède? Ils évitent la question, c'est de quelle date? Et deuxièmement... Vous pouvez nous aider à entrer en contact avec ce oui. document? Bien sûr. Et la question. Tireur du marché pour les groupements, Samibo. Fait à Kinshasa le quand? Est-ce que vous êtes co-contractant? Vous êtes censé avoir la copie. Et étant contractant, ils sont censés avoir la copie de ce document. C'est le même. C'est le même. Et on se pose la question de savoir, puisque ce document venait de la République, pourquoi la République n'a pas pris soin de dater ce document? Et c'est à nous qu'on doit poser la question de savoir. Pourquoi ce document n'a pas été daté alors que c'est signé par le ministre? Merci. Nous avons acté la réponse. Monsieur le Président, il y a la deuxième question. NSA, est-ce que vous pouvez laisser les procureurs... Je vous en prie, parce que j'en ai encore. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il faudra que nous puissions préciser très bien les choses ici. Nous les confirmons qu'il n'y a jamais eu un avenant. Les documents qu'on vous présente là, au moment opportun, celui qui prétend avoir signé, il viendra ici. Ça, c'était un projet envoyé à la direction des marchés publics. Le contrat ne peut être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics. Monsieur le Président,
Le projet ici a été envoyé à la direction chargée des marchés publics. Et le directeur a répondu. Il y a sa lettre du 10 juin 2019. Curieusement, pendant qu'il répond, les fonds sont déjà partis. Les fonds sont déjà sortis. Il répond en date du 10 juin 2019. Si vous permettrez, je vais vous lire la lettre. Allez-y, monsieur le procureur. Demande d'avis de non-objection. Projet d'avenant au contrat travaux de construction 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes. Il écrit au ministre du Développement rural. Excellence, monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre numéro 130/CAB/MINE/DER/2019 du 18 mai 2019. La lettre du 18 mai 2019, il s'adresse pour avoir l'autorisation de signer cet avenant-là, bien qu'il porte en bas là-bas avril. C'est pourquoi vous voyez là-bas qu'il n'y a même pas de date à la fin de l'avenant là-bas. Il envoie ce projet à la date du 18 mai 2019. Le 18 mai 2019, pendant que ce temps-là, tout l'argent est déjà parti. Par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection les projets d'avenant au contrat relatif aux travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central, Nord Kivu, Tanganyika, Lomami, Lualaba et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics constate ce qui suit. Les contrats approuvés par la Direction générale du contrôle des marchés publics à travers sa lettre numéro 176/DGCMP/DG/DRE/D1/KL/2018 du 9 mai 2018. Concernant la construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par les groupements Samibo, Congo, Bar, Carmode pour un coût total de $26,750,000. L'avenant à ces contrats dont la direction générale du marché de contrôle des marchés vient d'être saisie ces jours modifie à la fois le nombre de provinces qui est réduit de 9 à 5, le nombre de maisons à construire qui passe de 900 à 1500, ainsi que le coût du marché de 26 750 à 57 600. Les dix avenants modifient sensiblement les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie même du marché dans la mesure où son coût dépasse excessivement les 15% de la valeur du marché de base. Et c'est en violation de l'article 58 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Les coûts de l'avenant tel que repris dans votre précité, 54 700 000, est différent de celui repris dans l'avenant transmis, 57 600 000. Le service a transmis l'avenant déjà signé en lieu et place d'un projet. Les devis de l'entrepreneur fait défaut dans les dossiers, eu égard à ce qui précède. Et en application des articles 194, 195, 197 du manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Direction générale du contrôle des marchés publics n'accorde pas l'autorisation spéciale sollicitée. Par ailleurs, en vue d'un aboutissement heureux du dossier, la Direction générale du contrôle des marchés publics vous recommande de scinder la demande en deux.
premier tiré, l'autorisation de signer un avenant sans incidence financière avec pour objet la modification du nombre de provinces bénéficiaires. Soit encore l'autorisation de signer un autre contrat supplémentaire prenant en compte le nombre de maisons à ajouter et les coûts irrelatifs. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Voilà la lettre qui vous dit qu'il n'y a pas d'avenant, qu'il n'y a pas de contrat entre le prévenu Jamal et la République par rapport à l'érection de 900 ou 1500 maisons. Merci. Monsieur le Président, vous avez tendance à aller vite vers le prévenu Jeannot. Je pense que nous pouvons encore rester avec le prévenu Jamal. Il y a encore des questions très importantes à lui poser, puisque les faits qui sont reprochés au prévenu sont des faits très graves. Il a reçu 57 millions 500 pour l'achat des maisons. Il peut nous dire où est-ce qu'il avait commandé ces maisons préfabriquées. Prévenu Jamal, la commande des maisons préfabriquées a été faite où? Dans quel pays? Demande d'objection, monsieur le Président. Il y a le monopole 5 ans avec moi. À Istanbul. Demande d'objection, monsieur le Président. Il y a le monopole 5 ans. Oui. Il dit objection, monsieur le Président. À Istanbul. Est-ce qu'il peut nous produire la licence d'importation de ces maisons préfabriquées? Objection, monsieur le Président. Vous avez une licence d'importation de ces maisons? Une licence à la Robank, mais est-ce qu'ils ont retardé pour le paiement aussi? Bien sûr, il y a une licence d'importation à la Robank. Vous demandez mon avocat. Objection, merci, monsieur le Président. J'ai une copie de la licence que lui avait sollicité, obtenue pour l'achat de ces maisons. J'aimerais s'il peut vous confirmer. Qu'est-ce qu'il dit? Objection, monsieur le Président. Moi, c'est par rapport à... C'est par rapport à la... Oui. Monsieur le Président, le tribunal semble oublier que nous sommes de la défense et que on a droit à avoir plus de la parole que le ministère public qui est l'accusation. Les questions sont adressées aux prévenus qui réservent les réponses. Nous sommes de la défense. Les éléments à sa possession. Nous sommes de la défense. Monsieur le Président, je pense que nous sommes allés... Nous sommes allés trop vite en besogne et ce n'est pas un souhait qu'on se sépare avec de blessures intérieures. Par rapport à la lettre que venait de lire le ministère public, nous avons l'avantage de demander au ministère public de revoir la cote 6 du dossier. C'était pratiquement... la réponse du ministre du Développement Rural. Pardon, sa demande. Il a écrit à M. le directeur général de contrôle de marché public. C'est la correspondance du 5 juillet 2019. Il dit ceci. En référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention de l'avis de non-objection deux projets d'avenant au contrat numéro 001-CAP-MINIDER-CG-DR-2018 relatif au marché de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À ce titre de rappel, le ministre du Développement Rural, dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages de jeunes avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami et Lualaba pour un montant de 26 750 000. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire, ce marché dont les factures non payées
jusqu'en décembre 2018, avaient été récupérés pour être alignés dans la série de projets à impact visible dans le cadre du projet d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études du sol et la topographie de sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé par l'autorité contractante et l'attributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant compte la réduction du nombre de provinces de 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 au lieu de 26 750 comme initialement prévu. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Voilà, Monsieur le Président, je pense que le ministère public, à travers la lecture de cette correspondance du ministre de Développement Rural, pouvait peut-être satisfait. Je reviens maintenant à la réponse du 25 février 2019, juillet, pardon, de la Direction générale de contrôle de marché public. Objet, demande d'avis de non-objection. Projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. À son excellence, monsieur le développement rural. À son excellence, comprenez mon émotion. À son excellence, monsieur le ministre du développement rural, Kinshasa Gombe. Excellence, monsieur le ministre. J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre. Cette lettre-ci, du 5 juillet 2019, par laquelle vous me faites parvenir, pour avis de non-objection, le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement Rural, et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle de marché public, en gras bien sûr, émet l'avis de non-objection au projet d'avenant assigné entre le ministère du Développement Rural et le groupe Samibo Congo Tarmod relatif à la diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devant bénéficier de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées. Veuillez accueillir, Monsieur le Président. Que dire encore? Elle est bonne commande. Que dire, bonne commande. Bonne commande. Merci. Très bonne commande. Merci, Monsieur le Président. Vous avez encore... Maître, un instant. On va revenir à vous. La parole, Monsieur le Président. Pardon? Non, c'est juste pour voir. Merci, Monsieur le Président. Bonne commande. Les messieurs chargés du marché public ont voulu faciliter la tâche, mais rien n'a été fait, rien n'a été respecté. Il a donné plusieurs pistes, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il a dit soit vous signez un autre contrat pour la partie au-delà de 26 millions, ou soit encore vous réduisez carrément les montants restent de 26 millions, le nombre de provinces diminue, au lieu que ça soit 9, ça reste 5. Là, il est d'accord, puisque ça n'aura aucune incidence sur les finances. Ou soit carrément, si vous tenez à aller à 57 millions, faites un autre contrat différent de celui de 26 millions, puisque l'avenant ne peut pas aller au-delà de 26 millions, au-delà de 15%. C'est ce qu'il a été fait. Il a dit, il a même été entendu, il a confirmé. Le prévenu Jamal qui est là, il a été interrogé au parquet. Vous avez ce PV devant vous. Le premier jour, il a répondu comment? Je ne sais même pas, il n'y a pas de contrat que j'ai avec l'État congolais. C'est sa réponse, c'est acté quand vous lisez dans les procès-verbaux qui sont là. Il a déclaré, il était assisté d'un avocat.
pour qu'après le deuxième jour, qu'il change de position. Il reconnaît qu'il n'y avait pas de contrat. Il a dit devant nous, au parquet, quand il a été interrogé, monsieur le président, ce qu'on est en train de vous faire voir là, c'est pour juste démontrer un contrat qui n'a jamais existé, qui n'existe pas. Monsieur le président, j'ai posé une question très importante à M. Diamant. Il n'a pas tout répondu. Il a dit qu'il avait souscrit une licence d'importation. Est-ce qu'il peut confirmer que c'est cette licence qu'il avait souscrite pour l'achat de 1500 maisons? Ça, c'est une autre question. Montrez ça, M. Diamant, qu'il confirme si c'est ça la licence qu'il avait souscrite. Ça, c'est quoi, c'est ça. Vous voulez faire hâter votre comparution, maître? D'acter la comparution de maître Dissassi Mobik ici, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous assistons le prévenu Jamal. Merci, votre honneur. Dans le même ordre d'idée, je fais acter ma comparution. Maître Lapé Bongolo Landry, du barreau de Kinshasa Matete, pour le compte du prévenu Sami Jamal. Merci. Conjointement avec maître Daden Wanza, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le prévenu Jamal. Merci. Prévenu Jamal, vous avez vu? Permettez, monsieur le président, je vais acter ma comparution. Ah oui, maître. Maître Toto Maluma Roger, pour Vital Kamere. Merci. Vous voulez acter votre comparution? Non, monsieur le président, je voudrais juste préciser. Non. Il y a une précision d'état. Non, attendez, on reviendra voir. Prévenu Jamal, que dites-vous de cette licence-là? Vous la confirmez, c'est ça? Vous avez la pièce devant vous. Ça, c'est le premier pas du passé. Oui, monsieur le président. Vous confirmez? Pardon? Cette licence-là. La licence que l'on vous a produite. Non, c'est la première fois. Ça, c'est la première fois, j'y vois, parce que vraiment, je ne comprends pas aujourd'hui. Tu compliques les choses. Il y en a 600 conteneurs arrivés. Ça, je ne comprends pas tout ce que tu dis vraiment. C'est mon avocat qui va me défendre. C'est pas possible. Une préoccupation du tribunal. Il y en a un même 600 conteneurs. Tu es en train de discuter. Une préoccupation du tribunal. Oui, revenu Jamal. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais sur ça, nous avons également des questions, monsieur le président. Oui. Attendez, on va revenir. Voilà. Le ministère public estime que cet avenant était un projet, n'est-ce pas? Un projet qui était fait pour être signé. Voilà pourquoi il n'a pas de date. Une question demeure pour le tribunal, sinon deux. Si cet avenant est réellement un contrat signé, quelle est la date de l'avenant? Deuxièmement, la sortie des fonds a été faite quand? Avant la signature de l'avenant ou après? Le prévenu. Là aussi, il ne sait pas répondre. Vous voulez répondre à sa place? Non. C'est par rapport à ce qu'on a dit ici. La question est adressée au prévenu. C'est par rapport à ce qu'on a dit ici. Non, laissez-le. Prévenu Jamal. Monsieur le Président, la question est tellement technique que... Non, elle est simple. Savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après, je crois que le tribunal a besoin de la manifestation. Non, de la ça, c'est pas, ça, c'est et pas ça aussi venir, technique que ça. Et ça peut venir même du prévenu, même de... Ce n'est pas aussi technique que ça, mais... Prévenu Jamal, répondez. Est-ce que vous avez perçu le fonds avant la signature de l'avenant ou après? Qu'est-ce qu'elle a dit? La sortie des fonds. Prévenu Jamal. Vraiment, je ne me rappelle pas, monsieur s'il vous plaît. Le président. Vraiment, s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas. Le tribunal aimerait savoir, préciser au tribunal. Oui. La sortie des fonds a été faite quand? Parce que cet avenant n'a pas de date. Oui. N'est-ce pas? Oui. Cet avenant n'a pas de date. Oui. Dites-nous, puisque vous avez soutenu avoir reçu les 57 600
dollars, n'est-ce pas? Je vais te répondre. La sortie des fonds a été faite avant la signature de l'avenant ou après? Excuse-moi, comme nous avons les bonnes commandes pour 1500 maisons, je ne me rappelle pas avant ou bien après. Nous avons les commandes pour 1500 maisons après. Voilà, il a pris le sanglier. Je ne me rappelle pas ni après ni avant. Oui, monsieur. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas de quelle manière nous allons continuer avec le président. Il est directeur général d'une société. Même pas d'une société, de deux sociétés d'ailleurs. Comment expliquer qu'un directeur général, dans le cadre de ce qu'il fait chaque jour, qu'il puisse perdre de vue, qu'il ne se rappelle plus des dates, qu'il ne se rappelle plus des documents qu'il demande. 90 ans d'abord, il y a tout le document prêt. Merci, monsieur le président. Je peux continuer avec une question. Oui. Il n'a pas reconnu. Objection. Pour compléter sa réponse, justement, monsieur le président. Laissez le ministère public poursuivre. Allez-y, monsieur le président. Il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul, là où il a passé la commande? Cette maison revient à combien? Mais nous sommes sur l'avenant, monsieur le président. On est sur l'avenant. Monsieur le président, vous allez poser toutes les questions par rapport à l'avenant. Il n'y a pas de réponse. Sur cette question-là. Excusez-moi. Par rapport à la pénance. Non, monsieur le président, je pense que il ne faudrait pas faire passer monsieur Jamal pour un faussaire. Il y a eu bel et bien un contrat qui a été signé entre la République et Monsieur Sami Jamal et la société Samibo. Comment voudrez-vous à ce que la société Samibo puisse reprendre de la responsabilité de l'État congolais? Ça n'a pas de sens. Et puis, on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi juste qui ont suivi l'avenant n'ont pas modifié la substance de contrat. Mais c'était tout simplement le changement de signe. Alors, quand on vient nous poser la question de savoir pourquoi l'avenant n'a pas été daté alors que l'avenant portait l'intitulé de la République, je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question. Et par rapport aux différents paiements, je pense que le juge pénal est actif. Ces éléments peuvent suivre avec des autres auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par des banques. Okay. À combien revient une maison? Que celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Il a commandé. Cette question-là. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation des comptes. Franchement, parce que le ministère public a posé un problème sur l'avenant. Nous ne comprenons pas comment la République peut renier sa propre responsabilité. Et cet avenant, sur cet avenant, il y a la signature d'un ministre qui est apposé. Et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux en écriture. Donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avenant-là, d'attaquer ça en faux. Et devant le tribunal, il veut renier la signature d'un ministre. Votre Honneur, par rapport à la date, peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date? Votre Honneur, c'est un avenant. C'est l'expression de la volonté de deux parties. Et curieusement, sur la première page, puisque c'est un projet venant, c'est un document venant de la République, sur la première page, il est renseigné le mois et l'année. Votre Honneur, n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Soit le ministère public le fait sciemment, il ne veut pas voir. Et là, il ne va pas aider votre tribunal. Votre Honneur, nous sommes en train d'instruire l'infraction de détournement des deniers publics sur un montant bien déterminé. Le ministère public n'a pas à nous opposer un avenant signé par un ministre qu'il a eu du reste à auditionner. Soit il ignore ses propres PV. Votre Honneur, les différentes correspondances que mon estimé confrère a lu tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement des sites. Et ces changements de site ne modifient pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons, dont les montants ne pouvaient pas être modifiés, même si on réduisait le nombre de provinces.
Mais le nombre des habitations, des logements à construire était bien déterminé dans le contrat. Donc, des différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement. C'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat et paiement était déjà intervenu, puisque la République a indiqué même la date, puisque c'est la République qui payait. Et selon la République, ce paiement intervenu au mois de mai, c'est bien après l'avenant qui a été signé au mois d'avril. Dans votre honneur, cette histoire des dates ne va pas aider votre tribunal à avancer. Vous n'instruisez pas le fond. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, je vous ai À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat. Et la République, en signant ce contrat, tous les montants étaient déterminés. Et la République n'a pas objecté là-dessus, votre honneur. Monsieur le Président, la question, je crois, c'est le prévenu Jamal qui doit répondre. Il est là, je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question. C'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Excusez-moi, nous avons 649 conteneurs. 649 conteneurs. Nous avons 1153 maisons, reste maintenant 350 en train de fabriquer. J'ai tous les BL, j'ai tous les documents avec moi. Il faut le présenter. Et une maison préfabriquée à Istanbul. J'ai fabriqué 1150. C'est combien ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul? Pardon? Une maison préfabriquée revient à combien? Il y a une maison, ça coûte 45 000. Il y a une maison ville à 35 000. Ça, c'est le prix de 2017. Il n'y a même pas majoré le prix. Les aluminium, ça monte. Les vitres, ça monte. Les choses, ça monte. Mais j'ai vendu une maison 45 000 $, une villa comme ça, ici 200 000 dollars. On a fabriqué 180 maisons, 220 maisons pour 6 mois à Kamchatchi. Allez voir Kamchatchi, comme Cannes, comme Nice, comme Europe. Mais moi, je ne sais pas, les bondiers, les contre moi ou avec moi. Vraiment, 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 il n'y a aucune idée, ni Congolais, ni Libanais, pour préfabriquer. Merci. Oui, monsieur le Président. Voilà les papiers. Voilà les nous documents. Lui avons présenté la licence. Dans cette licence-là, il y a des prix qui sont donnés. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les prix qui sont donnés ici, 5 800 pour le premier type de maison et 13 700, c'est lui qui avait communiqué ces prix? Ces prix-là, c'est vous qui avez communiqué. 7 000 combien? Il y a 5 800. 5 800. Et 13 700. 13 700. Vous avez terminé? Oui. Une ville comme ça, 13 700, avec grand respect, ça dépasse 200 000. Est-ce que moi, j'ai vendu les marchandises par force pour le gouvernement? On a fait un contrat, on est d'accord. Ils ont fait, si, il veut dire, même ça va me coûter, par exemple, 1 dollar, je suis commerçant. Mais une ville là comme ça, ça dépasse 200 000, tu dis, encore 5 000 dollars? Où ça existe? Dites-moi, dans quel pays ça existe? Objection, monsieur le président. Ça coûte 5 000 dollars, ça, avec grand respect. Merci. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Ça, c'est les jalousies contre moi. Une ville là comme ça, ça coûte 200 000 dollars. Monsieur le Président, je vais parler. Mais je vais parler. Sinon, je tombe, je meurs tout de suite. Si, il ne veut pas m'écouter. Une ville là comme ça, 5 000. Une ville là comme ça, 5 000. Je ne comprends pas. Vous avez cette licence-là dans les dossiers des pièces. Est-ce que j'ai obligé le gouvernement à agiter? Jamal. Bon, j'ai fermé ma bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Jamal, c'est lui-même. Monsieur le Président, tout ça effectivement, existe, une maison coûte moins de 5 800. Le premier type et le deuxième type coûte moins de 13 700. Ah. La société Carmol. Oui, société Carmol, oui. N'importe qui ici. Bon. Il y en a ici, voilà. Voilà les factures. Actuellement, Carmol. Si chacun peut entrer dans ce site, il va trouver les prix. Et ces prix-là, c'est presque ce que lui avait communiqué ici, en y mettant déjà son bénéfice-là. Ça, c'est fabrication. Quand vous entrez dans les sites de Carmol, vous allez trouver que celle qui est en train de vous présenter là comme maquette, ce qu'il est en train de présenter là, c'est ce qui se trouve même dans les sites avec les prix. Voilà. Il a souscrit une licence de 12 800 000. Il peut nous dire combien il a transféré
à Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées. Voilà les factures. Combien, avec preuve à l'appui. Combien nous avons avez-vous transféré les en Turquie que la banque nous a communiqué. Prévenu Jamal. Monsieur combien avez-vous transféré en Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées? Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, j'ai une société au Liban, j'ai une société à Istanbul, je suis un grand commerçant ici. Je vais transférer un montant ici. Je vais transférer entre Liban et Istanbul, c'était libre. Et puis, il y a mon associé à Istanbul aussi. Voilà. C'était combien? Si je n'ai pas payé l'argent, je ne fais pas même 649 conteneurs. 649 conteneurs entre Boujmaï, entre Addis Ababa, Angola, ici. Voilà. Je ne comprends pas vraiment. Tu n'as pas donné le montant que tu as transféré dans le cadre. Pardon. Dans le cadre de ces maisons, vous avez transféré combien? Oui, vous avez une société au Liban, vous avez une société à Istanbul. Les factures, elle est là, monsieur. Voilà les factures de Carmode. Ça, c'est facture, c'était fabrication. On paye, les chariots, ça coûte 5 000 $. La somme que vous avez transférée, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai envoyé tout le montant, ils sont là, 35 millions. Donnez ça ici. Mais je travaille avec les gens depuis longtemps. Hein? 35 millions. Il y en a 10% pour moi encore. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Je pense que nous avons encore la parole. L'autre s'était fabriqué de cette papier. Hein? Hein? Quoi? On n'a pas reçu. C'est ça que le papier m'a envoyé. Ça, c'est papier. Tu peux demander. Bien, Monsieur le Président. Je. La parole ne vous est pas encore assez. On voudrait compléter la réponse du prévenu. Bon, c'est ce qu'il considère comme preuve. Si ça n'en est pas une, alors. C'est très important, Monsieur le Président. Il doit nous dire par quel moyen il a transféré l'argent pour acheter les maisons à Istanbul. Objection, Monsieur le Président. Là, nous sommes dans une autre infraction. Là, nous sommes dans une autre infraction. L'argent a été versé dans son compte ici. Non, non. Nous voulons savoir comment cet argent a quitté ses comptes. Non, pour se retrouver à Istanbul. Oui. Prévenu Sami Jamal. Vous avez suivi la préoccupation du ministère. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je suis un grand opérateur économique. J'ai l'argent partout. Le comptable, il est déjà fait, la comptabilité, tous les preuves de paiement avec mon avocat. Merci. Pour complément, Monsieur le Président, on peut le compléter. Nous voudrions faire savoir au ministère public qu'il a sorti un document indiquant le prix sur Google. Je ne sais pas où il a tiré ça, certainement. De son téléphone ou dans un cybercafé. Mais Monsieur le Président, nous voudrions faire tout simplement savoir à votre auguste tribunal que ce document n'est pas signé. Ce document n'est pas signé et ça ne peut pas être un élément indicateur pour pouvoir justifier l'infraction de détournement que nous nous sommes en train d'instruire, Monsieur le Président. Des deux, Monsieur le Président, j'aimerais moi vous reconnaître. Nous sommes devant un juge pénal ou civil. Ici, nous discutons le prix du contrat. Mais non, ça a quelle incidence sur l'infraction du détournement? Maître, c'est le tribunal qui sait ce qu'il recherche. Ça va? Justement, Monsieur le Président, on veut justement comprendre. Pour répondre aux questions qui vous sont. Restons dans le contrat judiciaire. Si vous avez de réponses. Vous nous les avez. S'il n'y en a pas. Non, mais justement, c'est pour aider la défense. Donc, vous n'allez pas. Non, non. C'est pour aider la défense et c'est pertinent. Vous n'allez pas vous mettre à demander au tribunal si. On veut justement comprendre. On vérifie le prix. Tantôt, le ministère public tire un document de l'Internet pour nous dire que le prix de Carmo de ces hauteurs. Ça fait partie des faits qui sont allégués ici. Si vous n'avez pas de réponse.
Votre honneur sera abondamment à ce que mon estimé confrère a dit, sans pour autant avoir comme l'intention de rappeler ce que mon estimé confrère a dit, en ce que nous avons vraiment comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une reddition des comptes ou conciliation des comptes. Le document présenté par le ministère public présente le prix d'acquisition, mais dans l'hypothèse d'un contrat, c'est-à-dire même lui, ministère public, s'il va acheter aujourd'hui à l'Istanbul, tout frais compris, il ne va pas rendre ici à Kinshasa à ces prix-là. C'est-à-dire, dans un contrat, dans l'hypothèse de l'exécution d'un contrat, il y a ce qu'on appelle le rendu. Dans le rendu, il y a d'autres charges qui entrent en ligne de compte. Donc le ministère public n'a pas à nous présenter un document, alors que la République, partie signataire de ce contrat, avait en face de lui une documentation renseignant le prix de la maison. Et par rapport à ces maisons, votre honneur, il y a plusieurs types de maisons. Il y a eu plusieurs types de maisons, de sorte que le prix ne peut pas être toujours le même. Donc, il y a des maisons de deux chambres et salons, il y a même des maisons à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est comme ça que notre client vous renvoie dans la pièce du dossier, à la disposition de votre tribunal, les pièces que la République a lues, tant par ses experts, et signées par des personnes dûment habilitées, que le ministère public tente aujourd'hui de contester, en tout cas à tort. J'ai dit votre... Bon, une préoccupation, du tribunal. Monsieur le Président. S'il vous plaît, je vais parler un mot, s'il vous plaît. Vous m'autorisez un mot seulement. Attendez, on reviendra à vous après. Attendez. Oui. Attendez, le tribunal voudrait vraiment être éclairé sur la question. Elle est d'importance capitale. La question est d'importance capitale. Le prévenu Jamal reconnaît avoir reçu... pour la commande de 1500 maisons préfabriquées, avoir reçu au nom donc de la société Samibo 57 500 000 ou 600 000 dollars. Il soutient avoir passé une commande à cet effet en Turquie. La préoccupation du tribunal, parce que vous contestez la licence produite par le ministère public. Maintenant, la préoccupation du tribunal est de savoir, est-ce que vous avez une pièce, une preuve que cette commande a été effectivement faite à Istanbul? C'est quelle pièce? Parce que la pièce que vous nous produisez ici est intitulée invoice, en anglais c'est facture. Alors, vous nous produisez soit une licence d'importation ou tout autre élément qui nous indiquerait qu'un transfert de ce fonds reçu à Kinshasa, logé à la Rawbank, transfert a été effectué. C'est ça la préoccupation du tribunal. D'abord, je vais assis. D'abord, il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, avec grand respect, nous avons 100 travailleurs entre l'intérieur et puis l'extérieur. Nous avons encore payé presque 6 millions de dollars, tu me comprends, pour 640 conteneurs. Il ne faut pas oublier mon bénéfice, c'était 10% encore. Il ne faut pas oublier que nous avons amené 10 ingénieurs, depuis 2 ans, ça c'est la deuxième année, 100 personnes congolaises et 10 ingénieurs, Monsieur le Président, et les transports et les dépenses, Monsieur le Président, ça tu ne peux pas calculer. Est-ce que moi j'ai obligé le gouvernement, j'ai frappé dans sa main pour faire les commandes 1500? Il faut renseigner si tu trouves les 7 maisons moyennes 150 000 dollars, arrêtez-moi 20 ans ou bien tire-moi tout de suite, mais je vais parler. Et puis, j'ai installé 220 maisons, même à mes restations, ils ont arrêté mon compte. Mais d'accord, produisez-nous les preuves de ces dépenses. Produisez-nous les différentes preuves. Voilà, les BL, ils sont tous là. On ne peut pas amener sur mon dos, monsieur le procureur, avec grand respect. Il y en a 650 conteneurs à Congo. C'est bloqué entre Dar es Salaam et Angola. Il y en a 10 conteneurs ici, Caro, pour les Kamtchatchi, depuis 3 mois, ils sont là. Il y en a 31 conteneurs pour les militaires, 93 maisons, ils sont là pour les militaires. On arrive encore pour... Non, mais ça, c'est pour
le deuxième marché. C'est pour le deuxième contrat. Non, c'est pour les carreaux. Pour les carreaux, excusez-moi pour Kamchatchi. Depuis trois mois, les carreaux n'avaient pas voulu sortir le ministre des Finances. Et puis ça, c'est le deuxième marché. On va parler pour le deuxième marché aussi, Osman. Si je ne suis pas sérieux, je ne vais pas me donner le deuxième marché 58 millions. Si je suis voleur, j'ai volé l'argent, je ne peux pas retourner à Congo. Ça, si j'ai fait pour les peuples, notre frère, je vais faire pour le Congolais. Parce qu'il y a les gens contre moi, les jalousies. Merci. Il y a les gens contre moi, je suis innocent. Merci. Ah, j'ai 92 ans, je vais parler et je ne peux pas arrêter même une seconde. Parce que je suis innocent, j'ai tout le BL. Nous revenons à la partie civile. Monsieur le Président, la République vous remercie infiniment. Voilà. Allez voir le travail, surtout comme Europe, comme Monsieur, je vais parler de votre Jamal. Qui vous a accordé la parole? Quand j'ai parlé, tu m'as dit. Qui vous a accordé la parole? Je suis innocent devant tout le monde. Oui, participe. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République fera ses observations le moment venu. En ce qui concerne la question de l'avenant du contrat, parce qu'il y a des auditions qui ont été faites, et lorsque les prévenus se défendent, il est bon qu'ils ne se défendent pas sur le dos de la République. Alors, si la République dit que c'était un projet, les prévenus contestent. Ils n'apportent pas la preuve contraire. Le ministère de développement rural a été entendu, les procès verbaux gisent au dossier et il indique qu'au moment où les va-et-vient sont en cours entre l'État et le titulaire du marché, tout est payé, Monsieur le Président. Et la question fondamentale, on ne répond pas. Parce que les lettres qui vous ont été lues, ces lettres-là datent de juin-juillet. Juin-juillet. Mais l'argent est sorti le 18 mars. Deuxièmement, Monsieur le Président, sur la question de la licence. Parce que la République, effectivement, avant que le ministère public nous pose la question, la République voulait intervenir sur la question, Monsieur le Président. Elle remarque que cette licence est validée. Parce que simplement, vous ne pouvez pas faire une importation des biens sans avoir souscrit une licence validée par une banque. Je ne parle pas des autres formalités qui concernent les fiches de renseignement électroniques, etc., l'importation. La licence est validée. Et j'ai entendu un conseil du prévenu vous dire que il a importé les biens sur une valeur CIF. Monsieur le Président, ces expressions ont des conséquences de droit à tirer. Et je voudrais poser la question au prévenu Jamal. Suivant sa propre licence, qui n'est pas contestée, et dont aucune autre licence contraire ne vous a été produite ni versée au débat, est-ce que le montant qui est porté ici, parce que, Monsieur le Président, en réalité, il ne s'agit pas d'un faux. Monsieur déclare que 1000 maisons fabriquées au prix unitaire de 5 800 dollars américains, ça vous donne 5 800 dollars américains. 500 maisons préfabriquées au prix de 13 700 dollars américains, il vous donne 6 000 quelques dollars américains. Et quand vous faites le total, ça vous donne les 12 650 000 dollars américains pour 1500 maisons préfabriquées. C'est la licence validée. Alors la question que je voudrais poser au prévenu Jamal, lorsque son conseil dit que l'importation a été faite sur valeur CIF, est-ce que ce montant c'est la valeur forte ou c'est la valeur CIF? C'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, au prévenu Jamal, parce que le ministère public lui pose une question simple à la suite de votre composition.
avez-vous payé au fournisseur? Monsieur vous dit oui. Combien? Il a avancé un montant. Alors, nous avons ici, monsieur le président, le compte 1672, pour parler belge, 1672, à la cote 1674 ou 1674. Le prévenu Jamal reconnaît-il que c'est sa comptabilité qu'il a annexée au dossier envoyé au parquet général en vue de sa mise en liberté provisoire avec courrier adressé à M. le procureur général et ses annexes et ce document date du mois de mars 2020, c'est-à-dire lorsque l'instruction est entamée, on lui pose la même question que votre tribunal. Comment avez-vous dépensé de l'argent? Monsieur a envoyé le rapport que votre tribunal a. Reconnaît-il ce rapport financier-là? La deuxième question, avant de poursuivre. Valeur CIF, valeur FOB et les rapports financiers. Est-ce qu'il a un mot à dire là-dessus? Revenu Jamal. Ça, c'est votre rapport envoyé au parquet général. Ça, c'est quoi ça? Monsieur le Président, oui. Avant qu'il puisse s'apprêter de dossier. C'est pas le prévenu, monsieur le Président. Oui. C'est votre rapport. Monsieur le Président. Pardon? Je vais parler. Oui. D'abord, nous. Les vélos, ça coûte 5 000 $. Les vélos. Un villa comme ça, 13 000. Un villa comme ça, 13 000. Le, moi, il y a cinq terrains pour le subosman avec une grande société. Chaque 300 maisons, 700 000 $. Qui le contrate avec celui qui est en face de cour suprême, le roi banque. Ça, c'est 5 000, ça, c'est 13 000 $. Nous, on vend, excuse-moi, les oignons ou bien les bombes. Les vélos, ça coûte 5 000 $. Un point villa comme ça, à la cité fleuve, ça dépasse 200 000 $. Il y a excuse-moi, monsieur le président. Un instant. Mais je vais parler. Est-ce que c'est vous qui avez dressé ces rapports-là, qui avez été envoyé au parquet général? Ces rapports-là émanent de vous, les rapports qui avaient été envoyés sur les dépenses. Oui, ça, c'est le comptable des Hawaii, mais je vais parler, monsieur le président. C'est le comptable qui a déjà fait ça et le donné pour mon avocat. Mais ça, c'est. Il y a les gens dans l'ambassade du Congo à Istanbul. Ils ont arrêté, voir, nous, on va acheter, on va annuler les marchés, monsieur Jamal. Il dit, allez voir, monsieur Jamal, demandez l'ambassade. Allez voir, monsieur Jamal, c'est lui qui a le monopole. Une maison comme ça, une maison, il faut prendre les photos, une maison comme ça. 13 000 $. Merci. J'ai payé 700 000 chaque 300 maisons. Nous avons noté. Maître, ramenez-nous les rapports. Nous avons noté, monsieur.